laisser derrière vous des rêves pillés, des mondes gaspillés, des soleils brûlés. Il y a la femme. Il y a les femmes. Il y a moi, comme sujet, qui croit que l'universel n'existe pas, que tout existant est particulier, singulièrement singulier. Il n'y a pas plus complexe comme sujet, donc il est difficile de le situer hors de son contexte. Même avec des chiffres à l'appui, on peut passer à côté, rater le cœur de cette belle cible, la femme, dont la réalité est de moins en moins tangible. Cause qui n'est plus défendue par des âmes sensibles, mais par des âmes irascibles qui désirent chasser le mal de son piédestal et prendre le pouvoir. C'est la guerre des sexes. Avec une issue prévisible, l'emportera celui ou celle qui la rapportera. L'histoire. L'histoire, autrement dit, c'est de la com. Inclusivement et exclusivement de la com qui met ou remet chaque jour à l'ordre du jour la pomme de la discorde. Celui qui la croque se fait croquer. D'où la question. Est-ce que c'est l'histoire qui fait les hommes ou les hommes qui font l'histoire? Il y a la femme, il y a les femmes et il y a moi pour déplorer toute la violence faite aux femmes. Elle est immense, une carence de société, le plus lourd sujet de société. Il paraît qu'une femme sur deux est victime d'agressions sexuelles pour ne s'en tenir qu'à la France. Pays des droits de la femme et de la citoyenne, n'en déplaise aux hommes éblouis par ses lumières. Une femme sur deux passe à la casserole. C'est peu, c'est beaucoup, c'est trop. Tout dépend qui relaie l'info. Mais en tout état de cause, toute agression qui transforme la femme en objet est de trop. Et trop, c'est trop pour la survie du troupeau. Il nous faut impérativement contenir cette violence et la soumettre non pas à la théorie des émotions, mais à la pratique de l'intelligence. Soyons un peu plus drôles, un peu moins bêtes ou bébêtes. Il y a la femme. Il y a les femmes. Et il y a moi pour me creuser la tête. Une femme sur deux est victime de maltraitance. Soit. Mais cela veut aussi dire qu'une femme sur deux n'est pas victime de maltraitance. C'est mathématique. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une malchance? 50% de maltraitance signifie 50% de non-traitance. Autrement dit, d'indifférence, de négligence, d'inexistence. Raisonnement par l'absurde ou cynisme le kurde. Il s'agit toujours de la même bouteille, à moitié vide et à moitié pleine, qui n'est donc pas la même pour celui qui la voit et pour celui qui la boit. C'est tout simplement une question de perspective, de point de vue, d'état d'esprit. Rien de résolu, rien d'absolu. Je déplore la violence, mais je ne pleure pas parce que je suis en quête de sens, d'un double sens, de l'excès et du défaut. Il y a la femme. Il y a les femmes. Et il y a moi. Que le bas ne blesse pas. Une femme sur deux n'intéresse personne. Je m'y intéresse puisque les autres ne s'intéressent qu'à celles qu'on agresse. Donc je transgresse en me préoccupant du sort de ces malheureuses méprisées. Plutôt que prisées, et pour quelle raison elles ne figurent pas dans l'horizon des prédateurs? Peut-être parce qu'elles ne sont ni belles, ni intelligentes, ni marrantes, ni attirantes, grosses et sans grâce, trop grasses et pas assez coriaces. Toutes ces femmes passent aussi à l'as. Et davantage que les autres, puisque personne n'en parle. Silence radio, pas une seule trace sur les réseaux sociaux. RAS, rien à secouer. Je m'inquiète pour la pauvre, la vieille, la laide, qui ne sont ni dérangées ni en danger, qui ne vivent pas mais meurent dangereusement, à petit feu. Eh bien, les féministes n'en parlent jamais. Peut-être parce que, par pudeur, elles n'osent pas parler d'elles-mêmes. Oh, zut, 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 zut. Il y a la question de Nietzsche, qui semble remettre tout en question. Ne vaut-il pas mieux tomber entre les mains d'un meurtrier que dans les rêves d'une femme en rut? Vous laissez derrière vous des mers matraquées, des lunes piétinées, des hommes qui mouraient.